Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien les amis. L'étape numéro 12 nous tend les bras, une étape très plate. Ça va être pour les sprinteurs sans trop de soucis, je pense. On va essayer de placer quand même une échappée, ce serait plutôt pas mal. Avec un vent totalement nul. 214 km par contre au programme, donc une étape assez longue que l'on va pas faire en intégralité, ça serait un petit peu trop ennuyant, je suppose. Donc, bah, si vous le voulez bien, on est parti. On va faire, comme regarder les favoris. Bon, pas de réelle surprise, j'ai envie de dire. Objectif argent, ok. Ok. Et ben, on va faire suivant. On va prendre qui? On va prendre un petit baroudeur. Morkov, je verrais bien, peut-être pour cette étape. Pourquoi pas? C'est une étape qui lui conviendrait, je suppose. Hop. Morkov, on va prendre de quoi? De quoi s'alimenter. Écoutez, c'est une étape de transition, si on peut dire ça comme ça, après ce contre-la-montre bah, que j'ai trouvé quand même un petit peu désastreux. Hein. Même si, comme ça, au début, je me disais, c'est bon, j'ai pas trop. Enfin, j'ai limité la casse, mais il m'a quand même remis 20 secondes, un peu plus de 20 secondes. Je suis à 1,36, il me semble, de Christopher Froome. Ça risque d'être assez difficile. On verra. On verra en fonction, je pense. Allez, suivant. En fonction de comment ça va se dérouler tout ça. En tout cas, ça sent pas très bon. Allez, on va commencer à s'échapper déjà. C'est parti, ça démarre déjà très fort hein, pour cette étape. Ça démarre très fort, j'aime bien les étapes nerveuses comme ça. Au moins, ça s'échappe bien. Oh là là, il peut plus être rattrapé aujourd'hui lui. Comment ça se fait? Mais aussi, on va la rattraper. Ah, il y a gros braquet, on enchaîne là. Il y a beaucoup de coureurs qui sont sortis du peloton, dis donc. À moins qu'une échappée réussisse à surprendre le peloton, ça m'étonnerait que l'étape ne se joue pas au sprint massif. Je préférerais que vous restiez au chaud jusqu'au final. Ah bah moi, je préfère sortir, hein, personnellement. Je suis pas là pour beurrer les sandwichs. Donc moi, je vais sortir un peu hein, avec Je Morkov. retourne dans l'échappée pour que tout le monde s'entende. Sois Voilà. attentif. On l'a Ça pas va vu sûrement beaucoup attaquer depuis pour le début former du un groupe. tour, donc pourquoi pas essayer de sortir avec lui. Surtout qu'il est pas hyper dangereux au général, Il donc commence à y avoir pas mal de mecs échappés. Le peloton risque de réagir. Peloton, moi, voilà quoi. On sait qui c'est le peloton. C'est la Sky en ce moment qui peut verrouiller la course, elle le souhaite. Mais également les équipes de sprinteurs hein, qui peuvent verrouiller comme ils veulent. Par contre, ça revient derrière. Un petit peu dommage. Un mec qui revienne un peu plus vite, ce serait pas mal. Bon, en tout cas, voilà, c'est une étape de transition. On en aura encore une, je pense, derrière avant d'attaquer plus d'étapes vallonnées. De toute façon, il faudra aller attaquer avec Contador. Hein, dans ces étapes-là, on n'a pas le choix. Il faut récupérer un peu de temps sur Christopher Froome, ce serait pas mal. Bon, c'est foutu là, j'ai l'impression. Si j'ai envie de braquer pour voir, mais non, c'est foutu. C'est foutu. Pardon. Je commence un petit peu comment dire, à avoir un petit chat dans la gorge. Alors on va repartir, on va essayer de repartir parce qu'ils veulent pas nous laisser, on dirait. Donc nous, on va essayer de forcer l'affaire, on va dire. Allez. Petit braquet, ça permet d'aller un peu plus vite, on va dire, un peu plus loin dans nos efforts. Donc on va en profiter. Gros braquet, c'est surtout pour les sprints, j'ai l'impression. Dites-moi si je me trompe, mais c'est cette impression-là que j'ai. On mange un petit bout quand même. On est plutôt pas mal là. Là, ça se relève un peu. Oh là, y a Nocentini. David Miller, ça roule. Ouh, il y a pas mal de monde. Il y a pas mal de monde dans ce groupe-là. Ce serait bien qu'on puisse s'échapper, hein. Qu'en pensez-vous, les amis? On va reprendre la roue. Ça attaque. Ça attaque derrière encore là. En même temps, là, ce qu'il y a devant, franchement, s'ils nous laissent pas partir, ils sont vaches quand même. Parce qu'on est limite quasiment mort, quoi, nous.
Santini, Millard, Chartreau, Galland. Il y a un bon rouleur en tout cas, du nom de David Millard dans cette échappée. Donc ça peut aller jusqu'au bout, hein. Il y a moyen. Ça va être difficile, mais on peut. Si on se décide de rouler correctement, ça pourrait avoir de la gueule cette échappée. Allez, je prends la roue, je vais prendre le relais. Il y a Stuart O'Grady également. Ouh là, un sprinter par contre, Stuart O'Grady, si je m'abuse. Un rouleur également. Allez, je repasse sur le relais par contre. Allez, passe-moi devant là. Ils veulent pas prendre le relais, cet enfoiré. Bon, écoute, on va passer un petit peu de l'étape, hein, écoutez. Parce que ça n'a pas l'air de bien vouloir partir, c'est échappé. On va se faire rattraper le peloton, j'ai l'impression en plus. Donc c'est, voilà, c'est complètement moisi comme échappé. Le peloton verrouille. J'ai l'impression qu'ils veulent pas qu'il y ait d'échappé. C'est un peu dommage. C'est une étape assez ennuyeuse finalement. Christopher Riblon qui est parti dans une échappée tout seul. En solitaire le mec, hein, il a pas peur, en même temps il est bien parti. Donc lui on peut pas voir combien il a de... Combien il a d'avance, mais ouais, non, c'est tombé, ça... Le peloton ne veut pas. Le peloton il a pas vraiment envie de laisser partir les échappées. Ah, 2 minutes, ça commence à prendre là. Ah, j'ai pas pris la bonne échappée, dommage. Ça a l'air d'être la bonne, celle-là. Il faudrait que ça aille un peu plus vite, ça serait pas mal par contre. On va s'intéresser peut-être au classement. Peut-être, voilà. Quatrième, Alberto Contador à 1,36, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Bon, je suis monté un petit peu, j'ai dépassé Andy Schleck et Sanchez et Valverde. Mais Nibali et Van Garderen sont toujours présents, ainsi que Christopher Froome. C'est un petit peu dommage, j'ai envie de dire, de s'être fait avoir comme ça. Qu'est-ce que ça donne maintenant là? 5 minutes. On va peut-être aller essayer de chercher quelques petits points avec Benati sur ce contre-la-montre. Sur ce sprint, pardon, pas ce contre-la-montre. Je dis une grosse bêtise. Benati. Changé, on va le prendre. On va aller chercher les petits points qui seraient pas mal d'aller les récupérer. Je sais pas ce que vous en pensez. Les petits points grappés par-ci par-là, ça peut être sympa. Allez, hop, on repasse sur le petit plateau. En tout cas, il y a un sacré vent, hein. Je pensais qu'il n'y allait pas avoir de vent sur cette étape là, mais si, il y en a quand même un petit peu. C'est pas super beau en plus, hein, par ici. Le temps est assez médiocre. Le sprint à 5 km. On va essayer de le jouer, on va essayer de le remporter pour le peloton, bien sûr, parce que bon, les échappés ils sont déjà passés. Si on peut récupérer ces petits points, ça peut être pas trop mal, j'ai envie de dire. Donc il y a deux Français encore dans l'échappée. Wow, putain, on sort carrément avec Benati. On arrive presque à sortir du peloton alors que mon chat est en train de... Je sais pas trop quoi faire là. En train de s'amuser. Ouais, il y a carrément des fougères sur la route, quoi. C'est incroyable. Allez, je vais me mettre le gros braquet. On va aller chercher ses points. Hein. Ça revient derrière moi, c'est dur là. Ah ouais, carrément là. S'il passe, ça serait dommage quand même. Je vais chercher les points. Voilà, j'ai pris les points avec Benati. Je suis assez content, on va dire. J'ai pris 11 points. Pas trop mal. Si on s'échappait avec Benati, ça pourrait être sympa aussi, hein. Wow, j'ai cru tomber. Allez, on va manger un petit bout peut-être avec Benati, ça peut être pas mal. Pour récupérer un petit peu.
Allez, on va passer parce que ça sert pas à grand chose. On va se faire bouffer par le peloton, de toute façon, je pense. Hein. Oh, on dirait qu'on va rentrer même sur l'échappée. Ça pourrait être sympathique, ça. Benati premier. Enfin, premier. Si Benati arriverait à rentrer dans l'échappée, ça pourrait être jouable au sprint, ça. Ça serait quelque chose de très intéressant, dites-moi. Là, je suis rentré dans l'échappée. On a 5 minutes 40, on a 70 km de l'arrivée. Ça va être très compliqué, hein, pour ne pas dire quasiment impossible. Mais on peut garder espoir, peut-être. Oh, ça descend copieusement, quand même. Là. C'est... Non, je pense pas que l'échappée aille au bout. Je le sprint, de toute façon. Je le sprint, il y a des... le sprint massif, hein, on sera tous là, je pense. Dommage, j'aurais un petit peu grillé mes chances de victoire avec Benati sur cette étape-là. C'est vraiment dommage. Personnellement, j'aurais jamais pensé qu'il puisse s'échapper. Honnêtement, je pensais pas. Bon, ça se stabilise, on dirait, ça a 2,50. Oh, y a peut-être moyen de récupérer une victoire. Hein. On verra, ça va dépendre du peloton, s'ils veulent ou pas nous laisser... À mon avis, ils veulent ce sprint massif. À mon avis, le peloton n'est pas décidé à nous laisser partir. Loin s'en faut, quoique. Quoique, ça se stabilise pas mal quand même. Hein. Ah, une 30. Ah, ça peut être jouable. Ça peut être jouable. C'était la bonne échappée. Je me suis mis dedans. Avec Benati. On va manger un petit bout avant d'arriver, bien sûr. Donc là, on va pas se regarder par contre hein, avec Benati, on va essayer de partir comme ça, tranquille. J'ai un avantage, c'est que je suis un sprinter sur cette échappée. Il y a peut-être moyen d'aller chercher une victoire, les amis. Ça commence à rouler là par contre, il n'y a pas le choix, maintenant il faudra qu'on roule. Et on va mettre le grand braquet. Enfin, on va attendre les 5 km pour mettre le grand braquet peut-être, ça serait un peu plus judicieux je pense. On va se mettre dans la roue de Gezlin, on va le laisser rouler. A mon avis, il y a moyen qu'on arrive au bout. Ça va être compliqué, mais il y a peut-être moyen. Il veut pas rouler, eh ben roule pas, c'est pas grave, moi je roule. Les gars, ils veulent pas rouler, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire là? Ah, le peloton est... Ah non, le peloton est derrière. Oh, ça va être très... Oh, ça va être compliqué, allez. De toute façon, faut qu'on roule là maintenant. Quitte à se faire doubler par le peloton, autant qu'on roule maintenant. Hein. Il faut qu'on sorte là. Faut qu'on sorte du doigt du cul, j'ai envie de dire. Si on va aller récupérer ce petit point. Il y a deux virages à 90 degrés à 3 km de l'arrivée. Carrément, 90 degrés. Ça, ils ont pas fait une arrivée trop difficile. Allez, 38 secondes là, le peloton derrière nous. Ça serait bien d'aller chercher cette victoire. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais bien en tout cas. On va se regarder. De toute façon, ça va se regarder là. Les deux derniers kilomètres, ça va se regarder. Ah, je pense que c'est bon. Les amis, c'était la bonne échappée. Maintenant, Oh putain, il y a une chute. Oh, il y a une chute. Allez, c'est moi la victoire. Elle est pour moi, les amis, la victoire. Elle est pour moi. Je suis le meilleur sprinter du groupe. Il n'y a pas de raison. Et voilà, on gagne. Ah, j'ai freiné sur la ligne d'arrivée. Quel con. Oh là là. Ah, je sais pas que c'est qui est tombé, mais ça me fait peur. On va regarder, on va mettre star, avance rapide. Ouh, il y a des leaders qui sont tombés. Ouh, il y a des leaders qui sont tombés. A priori, il y a Valverde qui est tombé. A priori, il y a Valverde qui serait tombé. Il y a une chute collective. On va sauvegarder. A priori, ouais, il y a Valverde qui est tombé. Ça, c'est quasiment sûr que c'est confirmé, j'ai envie de dire même. Parce que Valverde, il a dû perdre du temps. Oui, il est tombé. Oh, il est tombé. Il a perdu du temps. Beaucoup de temps, même. Toujours 4e avec Contador. Mais bon, une victoire d'étape avec Benati, la 2e de ce Tour de France. Hein, comme quoi, il est très très bon au sprint, Benati. Le temps est revenu sur nous, en plus. Hein. On va quand même regarder qui c'est qui est tombé. Non, on peut pas voir. Ah, d'accord, il est tombé... À moins de 3 km de l'arrivée, donc ce qui fait que ben, finalement il a pas perdu de temps. Donc tant mieux pour lui, j'ai envie de dire, mais bon. Ce qui donne au point, je monte 4e et je monte peut-être les crocs. Hein. Bon, même si Cavendish est très bien placé, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Combativité,
dans cette étape. On va regarder qui c'est qui est le meilleur. Combativité, Benatti 5ème, Riblon 1er. Bon bah une très belle victoire d'étape en tout cas. J'ai eu de la chance de m'échapper avec Benatti quand même, j'ai beaucoup de chance. Donc voilà. On se donne les amis rendez-vous pour la 13ème étape. Et 13 c'est un chiffre qui porte malheur, je n'aime pas du tout ça. Donc c'est pas grave, on va se retrouver pour la 13ème étape qui sera Tour Saint-Amand-Montrond. Je re-sauvegarde une fois, ok, ok. Et voilà, on se laisse ici les amis, portez-vous bien. Merci en tout cas de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous. Ciao, bye bye.